Connaîtras-tu le succès? Eh bien, si tu n'as pas de réponse à cette question, cette vidéo était spécialement conçue pour toi. Dans cette vidéo, nous allons découvrir quelques signes qui prouvent que tu peux avoir du succès. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification. Dave Scott, sans plus tarder, commençons la nouvelle vidéo, c'est parti. Mais d'abord, qui était le 16e président des États-Unis? Si tu ne connais pas la réponse, attends de voir la vidéo jusqu'à la fin et découvre-la. Vous avez le sens de la compétition. Quel que soit le domaine dans lequel vous exercez, si vous ressentez le désir brûlant de faire plus vite, plus mieux, en plus grand ou en plus intéressant qu'autrui, que vous disposez de cette volonté d'être le meilleur dans votre domaine, eh bien, c'est qu'avec plaisir que je vous annonce que vous avez un point commun avec Michael Jordan ou Zinedine Zidane. L'expérience montre que celui qui apporte la meilleure solution face à un problème est celui qui finira par avoir du succès. Vous vous entourez des personnes meilleures. Si vous l'êtes, en effet, c'est que votre entourage n'est pas composé des gens qui vous tirent vers le bas ou qui sont négatifs. Votre cercle social est ainsi constitué des gens qui vous inspirent, qui s'en sortent au moins mieux que vous financièrement, dans leur vie professionnelle comme spirituelle. Alors, ces personnes vous soutiennent, vous challengent et vous apprennent des choses. Vous avez de la crédibilité auprès des gens crédibles. Il est connu de tous que le succès se fait avec des relations. Eh bien, des signes fondamentaux que vous allez réussir est que des personnes crédibles aient confiance en vous. Ils connaissent vos rythmiques, vos objectifs, vos valeurs. Cela les rassure par rapport au fait de collaborer, voire d'investir chez vous. De ce fait, vous êtes également crédible envers vous-même et vous vous faites confiance. Du coup, vous atteindrez le succès. Vous n'arrêtez jamais d'être un étudiant. Un signe très important que vous allez réussir est votre investissement professionnel dans votre formation ou peu importe le domaine. En effet, vous avez des objectifs et des plans concrets pour atteindre le succès. Du coup, pour réaliser ces plans, vous devez apprendre des choses. Une fois que vous avez acquis une compétence, le désir d'apprendre est brûlant en vous. Vous êtes ambitieux. Visualisez clairement comme le meilleur des meilleurs sans aucun doute vous aidera à atteindre du succès. Si vous faites partie de ces personnes qui se réveillent tous les jours en étant d'attaque pour affronter les choses de la vie, alors vous pourrez arriver à vos buts. Cela se produit car l'ambition vous fait vous rendre compte qu'il ne s'agit pas de travailler de longues heures, jour après jour, sans motif. L'ambition est réellement la raison pour laquelle nous réalisons des choses et qui nous conduit au succès. Vous êtes orienté vers l'action. Pour avoir du succès, vous avez besoin d'assumer les tâches qui vous incombent sans peur de commettre des erreurs en chemin. Alors, puisque c'est la défaite, mettez de l'accent sur vos objectifs et restez en mouvement pour ajuster vos buts après un obstacle. Vous devez être le leader et apprendre à être à la charge des responsabilités, bien que pour certaines, cela puisse paraître négatif. Parfois, vous devez faire cela à votre façon pour que cela fonctionne. Alors, le 16e président des États-Unis était Abraham Lincoln. Tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien. N'hésite pas à laisser un commentaire pour plus d'informations sur la vidéo. Merci et à la prochaine.